C'est l'heure du journal et vous rejoignez TV Plus Madagascar. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour le journal de ce soir. Mesdames et messieurs, tout de suite, les titres. Le président du Sénat, Ravalomanana Richard, assure les fonctions de chef de l'État par intérim et exerce les attributions présidentielles selon la décision publiée par la Haute Cour constitutionnelle ce jour. La saisine introduite par le président du Sénat portant sur l'intérim du chef de l'État est ainsi régulière et recevable selon la HCC. La population de Brickaville est venue nombreuse au nouveau stade pour réaffirmer son soutien inconditionnel au candidat numéro 3, Andrazuil. Je ne me porte pas candidat pour l'argent ni les honneurs, mais pour l'amour de ma patrie et du peuple malagasy, a déclaré Andrazuil à ses partisans. Les premiers essais de démarrage du transport par câble pour la ligne Orange reliant Anos et Assouarine sont prévus au mois de février 2024, d'après les explications. C'est seulement après ces essais qu'une certification validant l'opérationnalité du transport de personnes sera octroyée. Les grands travaux de mise en service des téléphériques se poursuivent actuellement et se concrétisent peu à peu selon les explications. Aux États-Unis d'Amérique, la police américaine recherche activement, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'homme suspecté d'avoir tué 18 personnes dans un bowling et un bar de l'État du Maine, où plusieurs localités continuent de demander aux habitants et rester confinés chez eux. Tout de suite les détails d'information. Les nobles locaux dans l'Indjin et les Apanzaka ainsi que les responsables coutumiers de Vuipin, Vanganjan, Manakara et Farafangan en appellent à tous les politiciens malagas, notamment les 13 candidats à la présidentielle, à discuter autour d'une table ronde afin de trouver une solution à la crise politique actuelle et cela avant la tenue du scrutin du premier tour de l'élection présidentielle. Ils exhortent également les électeurs malagas à ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Ils ont aussi enjoint les différents responsables des institutions de l'État malagasy à ne pas leurrer le peuple jusqu'à ce que ce dernier ne puisse plus distinguer ce qui est légal de ce qui est illégal. Les propos mis en récit par Sandra Jalant Nérinienne sur les images de Eric Ranefsan. Un message aux politiciens, aux 13 candidats à la présidentielle, au peuple malagasy, aux institutions de l'État malagasy ainsi qu'aux forces de l'ordre a été délivré par les nobles locaux dont les Njenoun, les Apanzak, ainsi que les responsables coutumiers de Vuipin, de Vanganjan, de Manakal et de Farafangan. Face à la situation politique actuelle, ils ont insisté sur l'importance de la tenue d'une table ronde entre les politiciens et les candidats à la présidentielle afin de trouver une issue à la crise politique actuelle. Une crise politique qui devrait d'abord être résolue afin de passer à la réalisation de l'élection présidentielle prévue le 16 novembre 2023. Ces nobles locaux ainsi que ces responsables coutumiers craignent que la politique ne puisse être à l'origine d'une division entre Malagas qui va totalement à l'encontre des valeurs malagas comme le Fiavanan. Les notables en appellent également aux politiciens ainsi qu'aux 13 candidats à ne pas se servir des citoyens malagas pour leur guerre de pouvoir. Il recommande aussi aux électeurs de ne pas se laisser manipuler ni corrompre par les dons d'objets, les promesses en numéraire ainsi que par les faux discours politiques. Ils ont également adressé un message particulier aux différents responsables des institutions de l'État malagas, les invitant à ne pas embobiner les malagas au point qu'ils ne puissent plus distinguer le légal de l'illégal. Les premiers essais de démarrage du transport par câble pour la ligne Orange reliant Anos à Souarane sont prévus au mois de février 2024 d'après les explications. C'est seulement après ces essais qu'une certification validant l'opérationnalité du transport de personnes sera
octroyés. Les grands travaux de mise en service des téléphériques se poursuivent actuellement et se concrétisent peu à peu, selon toujours les explications. Un groupe électrogène à haute performance pour relayer l'électricité de la Djerama en cas de coupure est déjà arrivé au pays. Explication recueillie au micro de Mtina Djembolola sur les images de Megar Nepton. Station d'Anous, les grands travaux se poursuivent. L'installation des 7 pylônes qui vont soutenir la ligne orange est déjà achevée si la mise en place des stations se poursuit encore. Le peaufinage des détails techniques est en cours pour ne citer que le cas de la station d'Anous. En effet, tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement du transport par câble sont déjà arrivés. Les cabines pour la ligne orange reliant Anous et Souaran ont déjà été prédisposées et montées dans ce hangar. D'après les explications, après l'installation du terminal, la mise en place des câbles afin de relier les pylônes sera la prochaine étape à effectuer. Toutefois, tous les travaux sont menés en parallèle afin de les achever selon les normes et dans les temps. Une fois les installations effectuées, des essais seront obligatoires, ceci afin de cerner les éventuels problèmes ou améliorations apportées d'après les explications. C'est seulement à l'issue de ces essais qu'une certification homologuant la mise en service du transport par câble sera remise aux responsables concernés. On espère démarrer les premiers tirages de câbles en mois de février, parce que le câble qui va tout se prendre des cabines, et normalement les premiers tests vont arriver en suivant, donc février-mars. Pour ce que j'appelle les tests à blanc, c'est-à-dire qu'on va mettre le câble, les cabines vont commencer à être en test, et après c'est une autre chose. Mais ça dépend de la finalité de Souaran, où on va visiter tout à l'heure. C'est la gare de réception. Le transport par câble est un moyen de locomotion alternatif permettant de réduire les embouteillages dans la capitale, selon toujours les explications. Ce type de transport figure parmi les plus sûrs au monde. D'après les précisions, les mesures de sécurité suivant les normes internationales sont largement respectées, toujours selon les précisions. L'âge des victimes d'AVC ou accident vasculaire cérébral à Madagascar devient de plus en plus jeune, selon le rapport d'une neurologue. Si les victimes étaient principalement âgées de 60 ans et plus auparavant, des personnes de moins de 40 ans sont actuellement touchées par la perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau. Le mode de vie ainsi que les mauvaises habitudes alimentaires, tout comme le manque d'activité physique, figurent parmi les causes de ce rajeunissement des patients atteints d'AVC, d'après toujours cette neurologue. La journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux est marquée tous les 29 octobre de chaque année. Une campagne de sensibilisation pour la prévention et le traitement des AVC sera organisée par différentes associations de médecins spécialistes des AVC dimanche prochain. Reportage au micro de Ancha Ralalarso sur les images de Megar Nepton. L'AVC, accident vasculaire cérébral, est défini comme étant l'arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau du cerveau, pouvant porter atteinte à la fonctionnalité de ce dernier. À Madagascar, de plus en plus de personnes sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux. S'il y a 20 ans, une seule personne était affectée par cette forme d'attaque cérébrale toutes les 6 heures, actuellement les AVC touchent une personne toutes les 4 minutes. À part la montée en flèche du nombre des patients affectés par cette perte d'une ou plusieurs fonctions du cerveau, les victimes sont de plus en plus jeunes depuis ces 5 dernières années, d'après les explications du neurologue. Si les principales victimes d'attaques cérébrales étaient âgées de 60 ans et plus auparavant, en ce moment de nombreux jeunes de moins de 40 ans en souffrent. Le mode de vie actuel des jeunes générations, leurs mauvaises habitudes alimentaires, ainsi que le manque d'activité physique sont à l'origine de cette situation, sont toujours les explications de cette neurologue. En effet, à cause du train de vie effréné au quotidien de la plupart des Malagas, générant un stress important, la population n'arrive plus à se nourrir sainement, le manque de pratique de sport aggravant la situation. Face à cette réalité, des actions pour la prévention des AVC s'avèrent une urgence à Madagascar. Notons que les accidents vasculaires cérébraux peuvent être traités à Madagascar, sauf en cas de traitement endovasculaire. Parmi les symptômes de l'AVC figurent une déformation de la bouche
et une faiblesse ou un engourdissement soudain d'un seul côté du visage. La journée mondiale de lutte contre l'AVC est marquée tous les 29 octobre. Une campagne de sensibilisation pour prévenir les AVC et pour informer le public sera organisée par différentes associations de médecins spécialistes des AVC ce dimanche 29 octobre dans la capitale. Rubrique football, les membres du comité exécutif de la FMF, Fédération Malagasy de Football, sont prêts à appuyer le président de la FMF, notamment en apportant des conseils pour que ce dernier puisse accomplir le grand défi qu'il s'est lancé, la participation des Baréas de Madagascar à la Coupe du Monde de 2026. De leur côté, les supporters de football se disent satisfaits de la nomination de l'entraîneur Rakoun Djabé Romuald Iroro, qui a été reconduit à son poste de sélectionneur des Baréas. Ces mêmes supporters sont convaincus que les Baréas vont obtenir de bons résultats lors du premier match contre le Ghana le 17 novembre prochain. Comptons pour la qualification pour la Coupe du Monde de 2026. Récit de Romy Armanana sur les images de Fethi Djamanazar. Le nouveau président de la FMF, Fédération Malagasy de Football, Randia Manampswelfred, s'est lancé le défi de faire qualifier les Barés pour la Coupe du Monde de 2026 qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le déplacement du président de la FMF à l'étranger pour une visite officielle au président de la Fédération internationale de football, lors de laquelle Randia Manampswelfred a exposé le programme de la FMF, constitue une étape de franchie dans la promotion du football malagasy. Cela témoigne de la résolution du président de la FMF à atteindre son objectif, raison pour laquelle le comité exécutif et les membres du bureau de la FMF sont prêts à le soutenir pour faire qualifier les Barés pour la Coupe du Monde de football de 2026. D'autre part, le vendredi 17 novembre 2023, l'équipe nationale malagasy disputera son premier match comptant pour la qualification pour la Coupe du Monde de 2026, lors duquel les Barés feront face à l'équipe du Ghana au stade de Yaya Barra. Les Barés se préparent donc pour cette rencontre, l'entraîneur Roro ayant également été reconduit à son poste d'entraîneur pour cette compétition. Les fans de football malagasy sont satisfaits de la nouvelle nomination de l'entraîneur Roro à la tête des Barés. Ils ont ajouté que c'était une juste décision car d'après les évaluations, cet entraîneur, en une année, a eu de bons résultats à la tête des Barés et que son travail devait continuer. Nous allons poursuivre concernant la question politique. Après que la garde des Sceaux ait annoncé qu'il est inconcevable que la Haute Cour constitutionnelle revienne sur cette décision, cette haute juridiction en a décidé autrement. Ainsi, selon la décision publiée par la Haute Cour constitutionnelle ce jour, l'actuel président du Sénat, Ravalomanana Richard, assure désormais les fonctions de chef de l'État par intérim et exerce les attributions présidentielles y afférentes. En effet, la Haute Cour constitutionnelle a jugé que la saisine introduite par le président du Sénat portant sur l'intérim du chef de l'État est régulière et recevable. Cette décision sera notifiée au président du Sénat et non moins chef de l'État par intérim, au premier ministre chef du gouvernement, à la présidente de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République. Explication. La saisine de l'actuel président du Sénat est régulière et recevable d'après la Haute Cour constitutionnelle. Considérant que le général de corps d'armée à la retraite Ravalomanana Richard, président du Sénat, expose d'une part que suite à la renonciation de l'ancien président du Sénat pour des raisons personnelles qualifiées d'empêchement à exercer les fonctions de chef de l'État par intérim, et cela après la démission du président de la République, la Haute Cour constitutionnelle par décision numéro 12-HCC-D3 du 9 septembre 2023 a désigné le gouvernement collégial pour exercer les fonctions de chef de l'État par intérim en application de l'article 52, dernier aléa de la Constitution. Qu'il est aussi dans le rôle de tout chef de l'État, quel que soit son mode de désignation ou d'élection, de protéger l'État contre toute forme de menace pouvant mettre en péril l'intérêt général et l'unicité des pouvoirs publics, que c'est dans ce sens, en concertation avec le Premier ministre, qui, selon la Constitution, dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre,
de la sécurité intérieure et de la défense conformément aux dispositions de l'article 65, alinéa 9 de la Constitution et dans le cadre des conseils des ministres restreints de défense et de sécurité, des directives et orientations générales pourraient être adoptées selon les circonstances afin d'instaurer un climat de paix et de sécurité pour la tenue de l'élection présidentielle prévue le 16 novembre 2023. La Haute Cour constitutionnelle prend acte de l'accord entre le chef de l'État par intérim et le Premier ministre chef du gouvernement sur la délégation de la présidence du Conseil des ministres et de l'accord sur la présidence du Conseil des ministres restreint sur les questions de défense et de sécurité. Le président du Sénat, Raval Manana Richard, assure désormais les fonctions de chef de l'État par intérim et exerce les attributions présidentielles selon la décision publiée par la Haute Cour constitutionnelle ce jour. Campagne électorale du candidat numéro 3, la population de Bricaville est venue nombreuse au nouveau stade pour réaffirmer son soutien inconditionnel au candidat numéro 3, Andradzwil. Je ne me porte pas candidat pour l'argent ni les honneurs, mais pour l'amour de ma patrie et du peuple malagasy, a déclaré Andradzwil à ses partisans. Je vous demande de renouveler la confiance que vous avez déjà placée en moi en votant pour moi à 90% contre 84% lors du dernier scrutin, a-t-il martelé devant la foule en liesse venue l'accueillir à Bricaville ce midi. Zach Njimaïr nous rapporte les échos du campagne à Bricaville. Les partisans du candidat numéro 3, Andradzwil, sont venus nombreux pour l'accueillir et le soutenir, et cela sur 5 km depuis l'entrée de la ville de Bricaville jusqu'au stade. Les responsables coutumiers de la ville sont venus en personne pour lui souhaiter la bienvenue au nom de la population de Bricaville et pour lui accorder leur bénédiction dans sa course à la magistrature suprême. Le candidat Andradzwil occupe une place particulière dans le cœur des habitants de Bricaville et réciproquement le candidat numéro 3 accorde une confiance absolue à la population de Bricaville à saluer Andradzwil lors de l'ouverture de son discours. Une confiance réciproque qui va faciliter les efforts de développement de la localité. Selon Andradzwil, le peuple malgache ne sera plus un simple observateur mais sera désormais un partenaire actif qui participera à tous les efforts pour le développement de Madagascar. La circonscription de Bricaville, longtemps oubliée par les dirigeants successifs du pays, sera placée au premier plan du développement de Madagascar. Il a cité entre autres la construction de nombreuses infrastructures, comme la route vers le site touristique de Manabat, qui est un Bilalemait très prisé par les touristes, mais dont le mauvais état de la route, à chaque période pluvieuse, en a découragé plus d'un. Ainsi, cette route sera désormais construite en pavé. Les travaux y afférents commenceront très prochainement. Si la plupart des bâtiments publics locaux ont été construits du temps de la Première République, Bricaville a bénéficié de la construction de nouveaux bâtiments, dont ceux de la sécurité publique, le bureau de la brigade de la gendarmerie nationale à Mbnanoumbi et ceux de la brigade routière de Sama qui ont été construits pendant que le candidat Andradzwil était au pouvoir et cela malgré la pandémie du Covid-19. Pour Andradzwil, se porter candidat à l'élection présidentielle n'est ni une question d'argent ni d'honneur, mais il le fait par amour pour la patrie et pour la population malgache. Andradzwil, candidat numéro 3, va aussi privilégier les projets sociaux afin de soutenir notamment les femmes vulnérables et les jeunes en quête de travail. Dans ce sens, des formations professionnelles seront dispensées aux jeunes, notamment des formations sur les travaux manuels. Andradzwil a reconnu que malgré le bilan positif de son gouvernement, beaucoup d'infrastructures restent à construire comme les infrastructures de la Djirama qui vont contribuer une bonne fois pour toutes à prévenir les délistages. Pour cela, un parc solaire pouvant produire 1 MW sera construit à Bricaville. Le problème du délistage à Bricaville est dû à une mauvaise gestion et au détournement de carburant qui alimente le groupe électrogène de la Djirama, a-t-il expliqué. Il y a plusieurs candidats en lice, mais la population de Bricaville va choisir Andradzwil, le candidat le plus intègre, qui est toujours proche de la population, a-t-il martelé.
Il a ainsi lancé un appel à ses partisans à vérifier de la liste électorale, à venir récupérer leurs cartes électorales et à surveiller les bureaux de vote le 16 novembre prochain afin de sécuriser leur choix. Aux États-Unis d'Amérique, la police américaine recherche activement, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'homme suspecté d'avoir tué 18 personnes dans un bowling et un bar de l'État du Maine, où plusieurs localités continuent de demander aux habitants de rester confinés chez eux face à ce fou dangereux en liberté. Reportage de France 24. Jeudi soir, la maison familiale du suspect est encerclée par la police. Après plusieurs heures, les forces de l'ordre n'y trouvent finalement aucun occupant. Plus tôt dans la journée de mercredi, les autorités ont poursuivi leur immense chasse à l'homme dans cette région, frappée mercredi soir par une double fusillade dans un bar et un bowling de Lewiston. Voisin du père du suspect, cet homme se montre très surpris. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 semaines, alors qu'il aidait son père à faucher ce champ. Il semblait tout à fait normal. En fuite, Robert Card, réserviste dans l'armée, aurait été interné 2 semaines cet été pour des troubles psychiatriques, dont des hallucinations. Le Maine, qui n'impose que très peu de contrôle sur les armes à feu, a vu ces derniers mois son Sénat rejeter 3 projets de loi visant à encadrer leur détention. Mais la pire fusillade de son histoire pousse certains législateurs à revoir leur position. Je me suis opposé à l'interdiction des armes de guerre telles que le fusil d'assaut utilisé pour commettre ce crime. Je dois assumer la responsabilité de cet échec, et c'est pourquoi je demande au Congrès des États-Unis d'interdire les fusils d'assaut. Alors que Lewiston, en deuil, est placé sous couvre-feu, le président Joe Biden a déploré un nouveau deuil pour la nation et relancer un énième appel à la Chambre pour tenter d'interdire les armes d'assaut au niveau fédéral. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Restez sur TV Plus Madagascar et retrouvez-nous plus tard dans le journal en version malgache à 19h30. À très vite.